Hello, c'est Namiri Alpha. Alors, je suis de retour avec un nouveau gameplay, Tomb Raider Rise of. Et du coup, j'ai vraiment attendu longtemps pour pouvoir jouer à ce jeu. J'ai vraiment attendu que ça sorte sur la PS4 pour pouvoir mettre dedans. Et je suis enfin. Il m'a fallu attendre quoi, 10, 11 mois peut-être. Du coup, là, je suis motivée à bloc. Et surtout, j'ai hâte de découvrir ce qui se passe avec Lara Croft. Qu'est-ce que... je sais rien en fait. Mais en fait, je connais pas du tout ce jeu. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, que je me renseigne même pas, que je vais même pas me renseigner sur des sites ou spoiler un petit peu. Mais là, du coup, non. Je me suis dit, je vais lancer dedans, vraiment au pif. Et puis, comme le premier volet sur la PS3 m'a vraiment fait plaisir, j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère pas qu'il sera meilleur celui-là, j'espère franchement qu'elle sera différent. C'est vraiment ce que je demande, c'est vraiment la différence, un peu de cohérence si possible, hein. Et puis pas trop de blabla, hein. S'il vous plaît, parce que c'est un peu plus d'action, un peu plus de survie quoi. Bref, mais aussi une autre annonce à faire, c'est que comme je suis quelqu'un qui aime bien jouer à des jeux vidéo, j'ai vraiment envie de jouer à plein de jeux. Et des jeux vraiment superbes, connus par tout le monde, plus ou moins longs. Hein, Tomb Raider, ça fait partie des jeux courts, je dirais, hein, 15, 20 épisodes que je fais jusqu'à maintenant, j'en ai fait 16 au dernier. Ça me paraît vraiment court. Bon. Si on compare à Morrowind, effectivement, c'est court. Mais autrement, voilà. Du coup, j'aimerais faire par semaine 3 à 4 épisodes. C'est le maximum que j'arrive à faire. Et 2 épisodes, ce sera sur des jeux courts, court durée, hein. Comme Last of Us, comme Tomb Raider, tout comme ça, même Deathland. Et 1 ou 2 épisodes par semaine sur un jeu qui est long. Comme je sais pas moi, je dis au pif, hein, je sais pas moi, The Witcher ou un truc comme ça, Oblivion, Morrowind, vraiment des gros jeux où tu peux faire des centaines d'heures là-dessus, qui font des jolis RPG et puis ça fait vraiment trop plaisir. Et du coup, je vais me lancer comme ça, je vais voir si ça marche ou pas, si j'arrive vraiment à tout faire, sinon ben je vais diminuer un peu la cadence et puis voilà. Du coup, on y va, on va s'y mettre à ce jeu après ce long blabla. Pardon. Du coup, magasin, qu'est-ce que... C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Carte. Bah ça, je vais voir ça une autre fois. Qu'est-ce que... 1 franc, 5 francs, on s'en fout. D'accord ? On va lancer la première partie, donc nouvelle partie. J'espère que ça va être cool. C'est parti. Donc, bon. Je vais quand même dire encore un truc, que Tomb Raider Rise of, c'est un PEGI 18. Donc, s'il vous plaît, hein, c'est un jeu... Enfin, sur tous les jeux pratiquement que je joue, c'est toujours PEGI 18 ou PEGI 16. Donc, si je dis des mots un petit peu gros, hein. S'il vous plaît, vous commencez pas à me casser le coucougnette, hein. Merci. Ouais, ouais. En fait, j'ai pas vu ça. R1. Bah, R1. Ouais, ouais, merci. Ok. C'est quoi ça? Je connais pas du tout. Baba Yaga. Nom de Dieu. Est-ce que ça va se passer en Russie? Parce que Baba Yaga, c'est une sorte de sorcière en fait. Le réveil racial. Je sais pas. Franchement. Ouais, le cadeau. Je sais pas ce que c'est, putain. Bon. 0%, super. Euh...
C'est quoi ce truc? C'est quoi tout ça? Non mais... C'est quoi ce délire? Voilà, ça m'apprendra à jouer à des jeux que... Hein, je m'y connais pas du tout. Là là. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Oh my god. Bah écoutez, mais bref, hein, moi je vais pas commencer à, je sais pas ce que c'est, donc je vais pas forcément, hein. Ça m'énerve. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, les cadeaux, j'ai compris que c'est des cadeaux, mais. Hein... Bon, bah écoutez, bah je sais pas, hein, on verra plus tard hein, ce que c'est, hein, je... aucune idée. Qu'est-ce que je voulais dire en plus avant de commencer le gameplay? Je sais plus, bien sûr, je prépare jamais rien. C'est parfait. Nom des dieux. Non, c'est bon. Je pense que je vais. Si jamais je me souviens, je vais dire au cours de la partie et puis voilà. Bon, moi je pense que je vais pas de vraiment être dans la semoule. Pas être dans la semoule, ça va être juste quelque chose de terrible. Oh là là. Peut-être j'ai dû le finir au moins une fois ce jeu avant de m'y lancer, mais là. Je me suis dit, ah, c'est cool, la surprise, youhou. C'est. Ben, vide, hein. C'est quoi? Aventurier, hein. C'est plus facile de désactiver le combat, l'ennemi a moins de santé, provoque moins de dégâts. Pff, écoutez, on va faire ça, je, normal. Difficulté équilibrée, parfait. Bah en fait, la carte nous a montré la Russie. C'est quoi ça? Vous arrêtez de dire, c'est quoi ça? Salut Lara. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. C'est qui? La cité perdue dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Elle est chou Lara. Elle est chou. Et lui c'était qui en fait? Je sais pas. Oula. Oh l'escalade, oui. J'ai oublié celui-là. Ouais. Je vais être contente d'être montée là. Attrape ma main. Merci. Regarde-moi ça! C'est incroyable! Mais la neige qui tombe de ces pics, c'est mauvais signe. Ok. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon, pas de geste brusque, hein? Ok. Qu'est-ce que ça souffle? Faut surtout pas qu'on s'arrête! Mais non, on va s'arrêter, hein. Même si on découvre rien là-haut. Ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Si tu le dis.
Doucement ici. C'est tellement une. Lara, est-ce que tout va bien? Jonah? Bouge pas, je descends te chercher. Attends, Jonah, le. C'est trop dangereux! Je peux remonter toute seule! T'en es sûr? Bouge pas, je te dis! Mais Jonah, c'est le celui de précédent épisode? Je sais pas. Je pense, ouais. Je pense vraiment lui, quoi. Ah, il l'accompagne. Il vient avec elle. Il la suit dans son délire. Enfin, son pas délire, pardon. Ses aventures, quoi. C'est gentil. Fais chier là-bas. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Est-ce que ça va? Ouais. Allez, pour si peu, une crise cardiaque. Ouais, non. Eh bah, ça commence fort. Mais on fout quoi ici, en fait hein? Il va falloir qu'on passe. Qu'est-ce qu'elle va encore chercher, hein, Lara? Maintenant qu'elle est devenue vraiment Lara Croft. Dieu sait le truc. Pas mal. Si dans ce cas, on pourra toujours se réfugier ici. Tu crois vraiment qu'on va trouver cette cité perdue? Je sais que c'est pas la plus fiable des infos, mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Cité perdue. Alors attends. Option. Je peux faire ce titre. Ouais, je vais activer parce que je suis pas sûr. Activer en couleur. Bah en couleur, je trouve fou. Mais si je voulais cacher une ville toute entière. Mais quoi? Oh là là. Aïe. Oh là là, bon. Ben, c'est bon normalement. Ah, merci. Wow, ça souffle. En tout cas, je suis bien chez moi, hein. Tranquille, au chaud. La tempête se rapproche. Trinitaire, c'est qui? Ah. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Oh. Je crois pas, j'en ai là. Purée. On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Encore un petit effort et on y est. Très bien. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Lara et son instinct. Non. Je demande qu'est-ce qui est devenu de Sam. Est-ce qu'elle a survécu? Est-ce que. À partir de là, il va falloir grimper. Attention au morceau de glace qui se détache. Ouais. Hop. Ouais, t'inquiète. Hein. Est-ce que Reyes est là aussi? Dans les parages? Wow. Oh la vache! C'était moins une! Ah! Allez! Bien sûr que je peux.
pas pouvoir le faire. Bouge pas. J'ai fixé une corde pour toi là-haut. Ça marche. Je vais te donner un peu de mou. Merci. Il faudra donner beaucoup de mou là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Mais... Hein? J'ai pas compris. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je loupe le truc. Pas de soucis. Ça arrive. Ça arrive qu'à moi, mais ça arrive. Éteint. Waouh, ok. Jonah, on a réussi. J'aperçois les ruines. Comprends-toi. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un. Oh merde. Est-ce que tu m'entends? Oui. Attends, je vais te remonter. Oh putain. Regarde là. Balance-moi. Vite. Enfin, balance-moi. Balance-moi vers l'autre côté. Ok, accroche-toi. Mais putain, allez. C'est pas des bonnes nouvelles, ça. Non mais... Voilà. Let's go, let's go, let's go. Oh purée. Oh my god. Oh merde. Juste trop. Ouais, là c'est mauvais. Mauvais. Dépêche-toi. Oh merde. Eh ben nom de Dieu. Une coulée. Oh merde. Oh merde. Ouais, c'est moi qui a pas vu le truc. Pardon. J'ai mort deux fois en 10 minutes. C'est pas mal. Waouh. Ça en dit long sur mon niveau, hein. Putain. Allez. Allez. Et on grimpe, on fout le camp d'ici. Si on peut. Oh la vache. Wow, ça va. Oh merde. J'ai fait quoi pour... Ah non. Et toujours en vie après ça. D'accord. 2 semaines plus tôt.
continuer à exister. Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique, mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent, ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. Toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie ? Suivie ? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai enfin trouvé le tombeau. On ne parle pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était perturbé. Non. Il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au même moment. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui a du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, alors. D'accord. Eh ben... Je... Oui. Ok. Pas d'avis sur la question. Juste de Miami. C'est vous le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... c'est la mise locale. Vous leur avez pas dit où on allait ? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Censez nous canarder! Sortez-nous de là! Merde! Oh non! 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 Wow.
Tout le monde descend. Ok. Ok, là c'est vraiment plein d'action. Ouais. Il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Elle est forte. Elle est forte. Allez, Lara. J'ai enfin trouvé. Toujours autant accueillant, aussi humide et glauque. Qu'est-ce que... Extraordinaire. Des inscriptions à la ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. En fait, nous y voilà. Papa avait raison. D'accord. Puis là, c'est quoi? Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. D'accord. On prend une petite épée, hein, je sais pas, quelque chose, pour se protéger au cas où. Et là, c'est quoi ça? Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantine, injustement exécuté. Par les membres de l'ordre de la Trinité. Il y a un truc. Aïe, les yeux. Il y a un truc là-bas, là-haut, ben. Bon, je vois où je dois passer, mais. Ok. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Ah. Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. Ah, trophée. Lire le passé. Ah, pourquoi pas. Il n'y a pas rien d'autre à ramasser ici. Non. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. D'accord. Là, il n'y a rien. Pousse. Ouais, c'est pas très solide, ça.
Une porte secrète. Oh, porte très secrète, franchement je l'ai vu de loin là. Ok. Putain c'est beau. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Ah d'accord. Ok, on y va, parce que sinon... Faut que j'aille là-bas, d'accord. Il n'y a rien à ramasser. Oh merde. Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Oh. Bon, je pense que quand c'est la première partie et que je connais pas du tout quoi ou comment, je pense que je vais faire beaucoup de gaffe. Mais ça, c'est pas grave. Franchement, je m'en fous. Hein. Les membres de l'ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète et son peuple sans relâche jusqu'à ce qu'ils les rattrapent dans leur oasis cachée. Mmh. Donc en gros il y aura beaucoup de cadavres ou bien enfin ce qui reste hein, depuis le temps. Oh rien, j'ai bien passé un scorpion. Un passage. Sublime. Effectivement c'est... On dit qu'ils ont déposé ici leur bien et puis ils sont partis. Ou ils sont morts, ici, avec leur bien. Je sais pas. Oh purée. Oh merde. Pardon. Ah scorpion, scorpion, scorpion. Zoup. On reste pas là Lara. C'est pas bon 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 bon. Allez. Voilà. Ok. Trophée obtenu, les traces, sous trace des obtenus du père. Ok. Bon. Pardon. Les soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est pas du tout évident alors. Hein. Faudra vraiment bien fouiller partout, 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 partout. Quoi ça? Mon fils, l'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Ah, ils ont oublié un R. Ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué? Ok. Oh, le prophète. Exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. C'est très space, hein. C'est vraiment très space. C'est franchement bien fait, purée. Waouh. En tout cas, ça a l'air bien plus développé, les tombeaux et tout, tout cet mystère. Avec ce volet-là, quoi.
pense que... En fait, c'est pas grave, c'est beaucoup de blabla. Là, par contre, c'est pas grave parce que... Ça explique à peu près. Ça explique, merci. Alors... Ah non... C'est pour pas faire... L1, R1, non? Chier. Bon, j'ai rien oublié, je regarde bien partout. Ils vont forcer le passage pour entrer. Ah bah écoute, hein. Ah, d'accord. M'habituer un petit peu aux touches, hein. Ok, bon, on va forcer le passage. Allez. Mais oui, ça va, tu vois, ça va marcher. Ça va monter le niveau d'eau. Ou pas. Si, si, ça va bien. Ok. Faut pas oublier le truc quand même, hein, parce que... Glissade. La vache. Oh merde. Allez, 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 avance. Allez, 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 allez. Oh purée, c'est quoi ce truc oh. Ok. Wow. Ah, purée, c'est bourré de pièges par ici, hein. Ouais. C'est dommage qu'il est pas là pour voir ça. Tu ne crois pas? Enfin, on y va. Enfin, on y va. On va où? Truc ici à fouiller quand même. Bon, d'accord. Parfait. C'est tout? Ah. Mmh. Ok. Ah, il faut sortir dessus pour que ça remplisse plus d'eau, d'accord, mais pour passer par là, il faut que je fasse comment? Je vais pas nager, en dessous, non, bon. Ici. Ah, les crânes. C'est chaud qui tout plein. D'accord.
C'est pas la première fois que je vois un truc comme ça. Par contre, je sais pas du tout où je vais, hein. Allez, c'est charmant. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Bah ouais, je suis plus tard. Qu'est-ce que tu croyais? Oh merde. Ah, il y a aussi un... Ok. Pas aller trop vite, hein. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. Ok. Encore un truc religieux. Pourquoi pas. Ah, faut que je m'habitue à toucher. De monter là-bas là-haut, bien. Wouah! C'est quoi ce délire? Ok, non, faut que je... Qu'est-ce que... On recommence, hein. Ah, d'accord. Voilà. Alors ici. D'accord, d'accord, d'accord. Hein, c'est quoi ça? Pièces anciennes. Les pièces anciennes peuvent être échangées contre des améliorations ou de l'équipement. Mais... La vache. Ok, bon, faut que je sorte d'ici, si, j'ai compris. C'est comme ça ou pas? On sait rien en fait. Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle. Oui, mais après, tu vois où? Ah, c'est un défi. Oh, et moi j'en ai vu, je crois que j'en ai vu plus que... Bah tant pis. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On y est?
Il y a rien. Posez les explosifs. Tombeau du prophète. Après tout ce temps. Elle est dedans, quoi. L'artefact. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Mais non. Enfin, si. Avec Lara, oui. Vous êtes qui, vous? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. La vache. Oui, mais bon. Je sais pas, j'y vais à... Mais tant pis, hein, je sais pas. Ah. Allez, la rat. Oh my god. Vite! Vite! Parfait. Presque, presque. Wow. La vache.